Parce que, en fait, la faim dans le monde, franchement, on s'en bat les couilles. Hein? Les problèmes les homophobes, les racistes, la guerre, on s'en fout. Le vrai problème, le problème numéro 1, les ours polaires, là, on s'en fout aussi, c'est pareil. Le plastique dans les océans, on s'en bat les couilles. Le vrai problème, le problème le plus important de l'histoire de l'humanité, c'est quand même quand tu dois lancer un stream. Et que tu peux pas installer ça. Tu vois? Ça, c'est un vrai problème. 2080 Ti, un i9 9900, et je peux même pas l'installer. Hein? Parce que je suis là avec vous à vous parler. Ça, c'est un vrai problème. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Quiconque sort d'ici périra. Vous êtes prévenu, ne sortez pas d'ici. Moi, en attendant, je vais jouer aux fléchettes. Ah, le matin. Je t'avais prévenu. Tu sors d'où, tonton Mercus? Le mec, on ne l'a jamais vu, il arrive 100 balles, quoi. Wow! Merci! What the fuck? Ouais, ça va bien, ma petite brebis galeuse. Pourquoi galeuse, mec? Bah, parce que t'es vieux. Oui? Il est... Vas-y, entre! 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 Non mais ne sois pas timide! Oui, je sais, c'est impressionnant, mais ne sois pas timide! Y a un mec qui s'est garé en trottinette, il s'est garé en trottinette sur le parking. J'ai trop rigolé. Ah ouais? Bah, je crois que c'est lui qui est venu. Ouais, hein. Ah, la honte. Vas-y, salutations! Ça va? Bah, très bien, et toi? Bien, bienvenue. Bah, welcome. Merci. Comment ça va, mon poulet? Bah, ça va très bien. C'est très protocolaire, hein. On est très gentils entre nous, là. Waouh! Au début du live. Non, t'inquiète, on va dire que tu fais des vidéos de merde dès que t'es un connard d'ici 5 minutes, hein. Voilà, ça me réjouit. Là, d'avant, je te reconnais. Trop de gentillesse, alors, moi je partais. Hein. La vaseline, c'est toujours avant la sodomie, hein. C'est vrai. Mais allez, bam, note, dans la poésie ce soir, ça fait plaisir. Attends, je mute le son de One Shooter, sa voix m'a énervé. qui sont censés être au même score que toi. Donc si t'es en 2 victoires et 1 défaite, t'es censé affronter des gens qui ont 2 victoires et 1 défaite. Je dois avouer que moi-même je l'ai pas compris, donc je peux dire peut-être de la merde, mais plus tu vas mettre de rounds contre une équipe TB. Donc on avait souvent un OTB et on tapait souvent les grosses équipes, ce qui est normal. C'est pas forcément worse de taper que des grosses équipes, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est des victoires qui sont pas assurées. Et il y a des victoires malheureusement contre des grosses équipes qu'on aurait pu battre. On s'en bat les couilles. Merci Mary. Mais bon, après on a loupé des matchs qu'on n'aurait pas dû louper, donc on a fini en bas du tableau. 16ème ex-aequo, 17ème. Voilà, oula. Ok, elle est morte, la Ivana. Vous êtes des monstres? Il est escapable normalement le dernier. Et c'est toi qui as le bon boss. Escape. Il va arriver côté escape. Voilà. Et le machine. Bien joué. Voilà. Ça arrive pour moi. Bien joué, ça. C'est dans la cuisine ou en dessous, hein, ou sur le toit. Si, y'en a un qui monte en rappel, Mary, sur ta ligne. Y'a un drone. Ok, je l'ai. Je te body block, moi. Hop là, je te body block. Y'a un drone qui arrive sur toi, Mary. En face de toi, à tes pieds. Attends, le thermique, je me le fais. Hop là, j'ai pris le Capitao. Nice. J'ai Capitao là. Capitao qui est pigé. Ok, je vais me le faire. Il a cassé mon drone. Ok, je vais me le faire. Ok, loupé. Ça va être tendu pour moi de reprendre la ligne. Fais gaffe en face. Il est à terre. J'en ai un autre. Ah, je l'ai mis à terre. Non, moi Capitao, tu peux sortir, il est au fond à droite. Va faire le kill.
Et si tu le vois pas, il est derrière les. Il a rampé comme. Ah non, putain, j'ai chié parce qu'il y avait l'auto-rappel. Non, tranquille, tranquille, n'y allez pas. Est-ce qu'on prendrait pas VIP et tout là ? On attaque pas Pentos. Ouais, vas-y, old school. Ouais, ouais, ça marche. Comme quoi, tu vois, Cisquet disait que t'étais con, mais moi je trouve que t'étais pas si con que ça. C'est vrai. J'ai jamais déméré que c'était toi que je préférais. Double stun d'envoyer, c'est toi qui a l'avant, Cisquet. Esca bleu, 1. Oh, Esca bleu. Putain, mais y'en a combien? Pète la fenêtre, pète la fenêtre, poulet. Nice, poulet, t'as un monstre. La Mira est low. Vas-y, nous on va tranquillement aller dans la VIP. Vous avez trouvé une bombe. La flash lancée. Ok. Ok, dans la VIP j'ai rien, j'ai vu sa cam de Valkyrie. La VIP est clear. Valkyrie elle est dans le couloir au niveau du billard. J'y vais, je plante comme un fils de pute. Tu l'as vu ? Ah, c'est propre ça les gars. Juste, j'ai les poulets. Ok, y'a Thermite qui a lâché sa ligne, il en rappelle VIP. T'as tué un mort. Thermite rappelle VIP. Oh, ils ont fait un farfadet pour Rakal. Non, c'est rien farfadet. Ah, vous le voyez pas. T'es dégueulasse, mec. Un petit farfadet. Oh, top SK, Légion. Bien joué, ça. Ok, derrière la profondeur. Le Légion est derrière la profondeur. On est quand même beaucoup dans cette niche. Allez, Badouavi là. Ok, Montagne, il est déployé. Pas besoin de spot, il est au niveau des murs renforcés donc tu pourras pas l'avoir. Ok, il vient de se redployer, ok. Arrêtez de spot la montagne. De la bouge pas, bouge pas. Arrêtez de spot montagne les gars. C'est bon, il est d'autres trop fort au niveau de tes trous. Vous allez là-bas. A banana me, a banana you, a banana. Under pressure. Pardon. Là il commence à faire des kills, il ouvre sa gueule maintenant hein. Ouais, non, mais toi, en revanche, vu que t'arrives pas depuis le début de la soirée à aligner 3 mots d'affilée, si tu veux. Bah oui, hein. Lol. Fils de pute. Pour la peine, je vais prendre un opérateur qu'on me voit rarement jouer. Tellement rarement que c'est super rare. Je vais jouer. Merde, je sais pas. Bah, je vais laisser le jeu décider. Ok. Non, bah pour le coup, c'est rare. Hein. Bah, pour le coup, c'est rare. Bah, ouais, c'est encore plus rare quand elle est pas équipée, quoi. Quel gros blaireau. Ah oui, il a même pas équipé nos potes. Oh, ah bah bon courage. Allez, salut, bonne soirée hein. Allez, 3v4. Le suspense est intégral, on peut voir le montagne qui fait une petite sortie de rappel qui va tout de suite aller pousser au niveau de la porte pour bloquer toute sortie éventuelle et tenir en tenaille les adversaires. Pendant ce temps-là, OS Family se trouve juste derrière le montagne afin de pouvoir prendre un revenge kill. Attends, j'ai une souffle, si tu veux, Attention, regardez la complicité entre l'Azofia et le montagne, c'est très bien ça. L'Azofia qui fait une ouverture, le montagne qui s'introduit avec son gros boubou. Mais c'est un montagne greedy parce qu'il l'a pas déployé. Voilà, regardez comme il avance, il va chercher l'information, il pousse l'adversaire, il ne le laisse pas respirer. C'est ce qu'on appelle l'asphyxie de l'adversaire. Il plante tout de suite, regardez-moi ce magnifique plantage effectué avec beaucoup de sang-froid. Et là, regardez, là ça déroule, c'est du 4v1, les adversaires sont en position, et c'est tambour, et c'est gagné. Oh non, il a sur elle. Oh non, ça c'est pas je. Oh, le mec il veut sauver son cadet, quoi. Ah non, mon cadet, c'est toute ma vie. On peut féliciter Mary pour ce carry. Merci. Non mais à l'époque, j'ai créé mon compte il y a 10 ans, parce que, en 2010, parce que je commentais les vidéos, et puis c'est venu qu'après de faire des vidéos. À la base, j'aurais aimé être prof, mais je suis dysorthographique. C'est du dyslexisme avancé, voilà. Donc, un prof qui fait des fautes d'orthographe, c'est con. Je voulais être flic, mais je suis pédophile. Je voulais être curé, mais je suis pédophile. Ah, non, ça merci. Marche, je voulais la faire, celle-là, et je me suis dit, c'est pas mon live, on va pas la faire. Ouais, non. Mais non, mais ouais, tu peux prendre un personnage, n'hésite pas. Ouais, mais je sais pas qui en fait. Ouais, bah, j'aurais aimé être prof et donc je me suis dit, bah pourquoi pas faire des tutos sur Rainbow Six. Et t'aurais pas voulu être un artiste. Pardon. Oh putain, la soirée géniale. On passe une soirée de ouf, mec.
C'est voilà, vous avez poncé la chanson française quoi. Et en parlant de poncer, ta mère ça va, Mary ou pas?